Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la dernière semaine du mois d'avril. Et donc par la même occasion, le bilan du mois, puisque ça y est, le mois se termine. On attaque le mois de mai, demain du coup, puisque je vous tourne la vidéo ce soir, samedi 30 avril. Donc sans plus attendre, on va faire un petit tour dans le porte-monnaie et les défis. C'est parti. Alors, pour l'alimentation, j'avais un budget de 100 euros, comme vous le savez. Il ne me reste pas grand-chose, mais il me reste des petites choses. Alors, il ne me reste que des pièces. J'ai la malédiction des pièces, je crois, ce mois-ci. Donc, j'ai tout compté et il me reste... Attendez, que je dise pas de bêtises. Voilà, 6,56 euros exactement. J'avais un billet de 10, mais du coup, je vais l'enlever. Mais le billet de 10, je l'ai mis dans le défi du Black Pearl. Donc là, j'ai 6,56 euros qu'on va venir retirer. Désolée pour le bruit. Les filles, j'ai un budget de 20 euros par semaine. Il me reste 5 euros. Je suis contente. On a 5 euros de sauver. Voilà. Ensuite, hygiène et soins, j'ai 10 euros, donc là, il n'y a plus rien. Je me suis servi donc, pour acheter du dentifrice pour les petites et un produit pour, enfin, détachant pour le linge. Donc, il n'y a plus rien. Loisirs sortis, je vous avoue, hein, la semaine dernière, dès que je filmais le bilan de la troisième semaine, je vous avais dit qu'il partirait dans les défis et je ne voyais pas en fait l'intérêt de le garder dans mon porte-monnaie. Alors, je savais pertinemment qu'il allait partir dans les défis. Donc, juste après avoir filmé le bilan, j'ai mis les 10 euros dans le défi quel chemin choisir pour... qu'est-ce qui se passe? Oups, je crois que mon téléphone me joue des tours, excusez-moi. Donc je disais, je l'ai mis dans le défi quel chemin choisir, comme ça je l'ai vite soldé et on n'en parlait plus, donc l'enveloppe est vide. D'hiver, 10 euros par semaine, pareil, mon enveloppe est vide parce que c'est parti dans le défi de Pâques. Et enfin, pharmacie, il me reste 20 euros sur les 30. Je me suis servi des 10 euros pour acheter des tétines pour les biberons que moi j'achète en pharmacie. Donc voilà, on a quand même sauvé 20 euros, c'est plutôt bien. Je suis contente. Voilà pour le porte-monnaie. Donc, il est tout vide. Donc pour cette semaine, on a 25 et 6 euros. Donc on a 31 euros et 56 centimes. Pour la dernière semaine du mois d'avril, donc je suis plutôt contente parce qu'il y a des économies quoi qu'il arrive, donc c'est cool, même si je m'en trouve toujours avec des pièces, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller tranquille. Bref, on va passer rapidement sur les défis. Hop, je vais faire de la place. Alors, les défis. Donc, le défi du mois, comme vous le savez, il a été soldé. Donc, on est à 30 euros. Je fais le point rapide et ensuite, je viderai les enveloppes. Ensuite, quel chemin choisir? Donc, comme je vous ai dit, je l'ai soldé la semaine dernière. Donc, 35 euros. Voilà. Le Ramadan Challenge, eh ben, je suis à 20 euros dedans. On est loin des 50 euros. Du coup, celui-ci, je ne vais pas le vider. Je vais le garder et je vais le finir donc sur le mois de mai. Normalement, c'est un défi au mois. Mais bon, tant pis, hein, je le ferai sur le mois de mai. J'ai pas envie de le vider en fait avec 20 euros, donc voilà. On se le garde encore un mois celui-ci. Donc là j'ai 10 euros en billets et 10 euros en pièces. Voilà, donc là le défi du coloriage qu'on avait soldé dès la première semaine, qui est à 20 euros. Le Black Pearl, je me suis arrêtée à 60 euros. Clairement, j'ai tiré pour toute la semaine, mais voilà. J'ai encore trop à mettre. Les sommes étaient assez importantes, donc voilà, je me suis arrêtée à 60 euros, c'est plutôt cool, je suis contente. Encore, je veux dire, il manquait quoi, il devait manquer une dizaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Mais voilà, comme avec les préparatifs du riz, les dernières courses pour faire les gâteaux, tout ça, j'ai dit je vais m'arrêter à 60 euros au cas où j'ai besoin de la petite monnaie pour des petites bricoles pour les gâteaux, donc voilà. Donc,
Ouais, je crois qu'il me manquait 12 euros, mais je suis quand même très contente. J'ai quand même sauvé 60 euros, c'est pas négligeable. Donc, top. Voilà pour celui-ci. Et pareil pour le défi de Pâques, que lui, par contre, j'ai complètement fini. Et lui, donc pareil, il est à 60 euros. Voilà. Le jeu de loi, comme je vous ai dit, ce défi-là, en fait, je fais un tirage tous les dimanches, comme le Monopoly, mais au bout de 3 mois, je le mets en épargne. Donc, on s'est arrêté à 31 euros. Sachant que donc le prochain tirage, c'est dimanche 1er mai, donc on va attaquer le mois de mai. Donc, les 31 euros iront en épargne et je sais déjà où je vais les mettre, cela, vous allez voir. Et puis, ben voilà, écoutez, on est plutôt bon. Donc le défi des saisons. Ah oui, le défi des saisons. Donc les 10 euros, comme vous savez, je les ai prêtés à quelqu'un. Mais en fait, voilà, j'ai raté trop de temps. Je sais que je n'aurai pas la somme à la fin de la saison du printemps. Donc ce que je vais faire, c'est que les 10 euros, une fois qu'ils me seront rendus, resteront dans cette enveloppe. Mais j'attaquerai en fait ce défi-là, pour la saison de l'été. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Mais une fois que les 10 euros seront là, ben, ce sera les premiers 10 euros de la saison de l'été. Voilà. Il y a quelques défis, en fait, je suis en train de faire un petit peu le tri parce que bon, j'en ai quand même pas mal, pas mal, pas mal. Et voilà, je vais essayer de me concentrer sur certains défis. Et puis voilà. Il y a un peu trop de voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite avant de vider donc, les défis, on va se faire un petit tirage du Monopoly avec les petites pièces que j'ai. Que je mettrai donc au 1er mai, vous savez. Alors, il est juste ici. Voilà. Donc, la semaine dernière, on a mis en épargne 3 euros. Donc, je suis tombée ici sur le parc gratuit où on doit mettre ben, ce qu'on veut mettre. Donc, j'avais mis 3 euros pour arrondir à 150. Donc, eh bien, écoutez, on va voir ce qu'on peut mettre cette semaine. Je prends mes dés. Hop, allez go. Toujours un qui est hors champ. J'ai fait 9. Mon petit stylo, il est là. Donc on est ici. Parc gratuit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14 euros. Et alors les 20 euros. Je vais laisser les 20 euros de l'enveloppe pharmacie que je vais mettre en épargne dans. Tac, tac, touc. Dans. L'enveloppe santé, je vais y arriver. Donc, j'ai exactement. Donc, j'avais dit 5 et 6, j'ai 11,50 € et je dois mettre 14 euros. Comment dire qu'on n'est pas bon? On n'est pas bon, pas bon du tout, les gars. Qu'est-ce que je. Ben, vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre les 11 euros. Et je dois rajouter 3, et je rajouterai 3 euros donc dès que j'aurai les sous la semaine prochaine. Voilà. On va faire comme ça. Alors j'avais dit 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien ça. Donc 14 euros. Alors, donc je mets en date du 1er mai. 14 euros. Ce qui nous fait donc qu'on est à 164 euros dans le Monopoly. Enfin, une fois que j'aurai mis les 3 euros manquants. Ça en fait des pièces, ça en fait des pièces, ça en fait des pièces. Alors. Et j'en ai des billets de 5. Là, j'en ai. Ça fait mon troisième billet de 5. Donc, on a dit 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 2, 9, 50, 10 euros, 2, 4, 6, 8, et 10, voilà. Donc, attendez, je me suis perdue, excusez-moi. Donc, j'avais dit 5,
6, 7, 8, 9 euros, 9,50 euros, 10 euros, et là voilà, un qui font 11 euros. Donc on est bon. J'ai bien mis 11 euros et je dois me rajouter 3 euros dans le Monopoly la semaine prochaine. Ok. Je vais mettre ici plus 3 euros. Voilà, comme ça je sais que je dois me rajouter 3 euros. Voilà, voilà. Du coup, bah écoutez, le 1er mai, je pense que je ferai le... Je sais pas si je fais mon tirage. Alors, attendez, où est-ce qu'il est ? Ouais, voilà. Le tirage de loi épargne au 1er mai. Et pareil, je complète ou pas ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que là, clairement, j'ai 30 centimes et j'ai plein de pièces cuivrées. Donc je sais pas. Tac, toc. Sachant que moi, je me suis arrêtée ici au 43. On est presque à la fin. Maintenant, vous savez quoi ? Je ferai le tirage dès que je ferai le remplissage. Voilà, je ferai le tirage du Monopoly et je ferai donc mon premier tirage avec le remplissage. On va faire comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se comptabiliser les 30 centimes. Alors, j'ai une pièce de 20 et une pièce de 10. Donc, 20 centimes. 10 centimes. Voilà. En pièce de 5 centimes, j'en ai une, deux, trois. Un, deux et trois. Voilà. Les 2 centimes, j'en ai une, deux et trois. Et trois pour 1 centime aussi. Une, deux, trois. Une, deux et trois. Voilà. Allez, on n'en parle plus des pièces. Donc, on va vider nos petits défis. Alors, comme on dit chez nous, bismillah. Non, je me trompe de classeur, pardon. Alors oui, du coup, lui, je ne l'ai pas du tout attaqué, hein, donc peut-être sur le mois de mai, on verra. Alors, défi du mois, 30 euros, que voici. Voilà. Quel chemin choisir? 35 euros, que voici également. Le Ramadan Challenge, donc je vous ai dit, je ne le vide pas, je le garde encore pour le mois de mai. Le challenge du coloriage, donc on a nos petits 20 euros. Voilà. Black Pearl, 60. Alors, 2, 3, 4, 5, 6. Le défi de Pâques, pareil, 60 euros. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Je pense que c'est bon. Et alors, les 31 euros qui sont là. Donc là, regardez, j'ai 25. Et donc là, j'ai 6 euros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ils nous font bien 31 euros. Ceci, je vais les mettre autre part. Vous allez voir par la suite. Hop. Voilà pour les défis. Donc, on va compter à combien nous sommes. Alors, hop. Un petit billet.
Alors, j'ai beaucoup de billets de 10. Ça va être pratique hein, pour me faire de la monnaie si besoin pour le remplissage de mes... Donc, alors, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 205 euros. Franchement, je suis hyper contente. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'en n'en reviens pas. Je suis top. Voilà, je suis trop contente. Donc, j'ai un petit peu réfléchi à où j'allais placer. Je me suis fait un petit post-it comme ça. Donc, sans plus attendre, on va placer. Donc, alors, les billets de 5 vont aller long terme dans le défi des 5 euros. Donc là, on a 30 euros. Donc, on va se rajouter 15 euros. Nous serons donc à 45 euros. Plus qu'un petit billet. Et je me fais une petite classe de 50. Ça, c'est cool. Alors, je suis loin derrière par rapport à des personnes qui sont déjà dans les 200 euros et tout. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça avance doucement. Mais sûrement. Donc, je suis plutôt contente. Hop. Alors. Je remplis mon tracker avec vous. Donc, on est aujourd'hui le 29 avril. Voilà. Et on rajoute 15 euros. On est donc à 45 euros ici. Donc, je suis contente. Hop. Là. Ça, c'est OK. Ensuite. J'ai dit que j'allais mettre, donc je vais juste reprendre mon classeur épargne avec vous. Alors, que je le retrouve. Bah alors. Il est là. Voilà. Donc, je continue ce petit challenge de Noël. Enfin, de Noël. Qui me permet d'avoir 500 euros. Là, actuellement, je suis à 90. Même si dans mon classeur, j'ai 20. Puisque j'ai prêté 70 euros de cette fameuse enveloppe. Mais du coup, je préfère le continuer. Hein. Alors, moi, je vous ai dit, hein, je ne suis pas à la trame. En plus, voilà, j'ai plus le tracker original. On va dire, je me suis amusée à faire ça. Mais voilà, j'ai décidé de mettre 30 euros. Voilà. Ici. C'est plutôt bien. Donc, j'espère que vous voyez bien. Alors, 29 avril, plus 30 euros. Et on est donc à 120 euros. C'est génial. Mais vraiment, je suis contente. Bon, comme je vous ai dit, j'ai 20 ici. Regardez, si je vous montre. Là, c'est mon enveloppe par rapport au challenge. J'ai 20 euros, mais une fois que les 70 reviendront, on sera à 120. Donc là, pour le coup, il n'y a que 40. Mais voilà, d'après le tracker, on est à 120, c'est cool. Ensuite, on continue sur ce classeur-là. J'ai décidé, alors je me mets juste une petite croix pour être sûre de ce que je mets, quoi. Challenge de sans enveloppe, je mets 10 euros. Voilà, ça me permettra de faire mon fonds de secours. Donc pareil, doucement mais sûrement. Donc 29 avril, il écrit trop grand en fait celui-là. Plus 10 et on est donc à 50 euros tout pile. Voilà. Alors j'ai mis les 10. Hein. Ouais, j'ai mis les 10 euros. Bon, je remplirai après le défi. Alors... Les 31 euros, je vais les mettre dans le défi du mois. Donc, si vous vous souvenez, le défi de Amandine Budget et Blush, non. Si Amandine Budget et Elle Budget, je cumule les deux défis ensemble tous les mois. J'avais mis 10 euros la semaine dernière. Il me manquait donc 31 euros pour terminer le défi. Puisque les deux cumulés, ça fait 41 euros. J'ai décidé donc de mettre tout ce que j'avais cumulé sur le jeu de loi dans ce défi-là pour le clôturer.
Donc, c'est parti. 29 avril. Donc, plus 41 euros. Et là, on est donc à 93 euros. Je saute une ligne parce que vous savez que j'essaie de rattraper le défi de mars. Donc, on verra ce que je vais pouvoir cumuler sur mars. Et je modifierai. Donc, pareil. 52, mais j'ai que un billet de 20 puisque j'ai dû prêter 30 euros de cette enveloppe-là. Mais sinon, on sera à 93 euros. Donc, je récupère mes 31 euros. Voilà. Et il y a 10 euros en pièces dans l'enveloppe, dans mon classeur des défis. Qu'on va venir récupérer. Moi, je récupérerai après parce que ça va vous gonfler et je colorierai après. Donc, les 10 euros sont ici. Je viendrai les mettre ici. Et il faut que je me fasse de la monnaie parce que mon classeur, sinon, il va exploser. Voilà. Je pense que pour les défis, là, c'est bon. Enfin, pour ce classeur-là, on va regarder. Il va exploser à cause des pièces. Il faut que je me fasse de la monnaie. Maintenant, allez, on va mettre en épargne. Donc, je récupère les 20 euros de santé. Et c'est parti. Donc, vous excuserez mon classeur. Donc, j'ai nettoyé, mais ma fille a heureux écrit dessus. J'en peux plus. Pourtant, je les cache. Hein. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai décidé. Donc, là, c'est l'épargne de mes filles. Disney, Ramadan. Et donc là, on ne met rien. Voilà, de reprendre les anniversaires. Donc doucement, mais sûrement. Ma pile poil. Donc je dis, je vais mettre 20 euros. Vous savez ce qu'on va faire? Je remplirai les trackers hors caméra. Parce que sinon, ça va durer une éternité. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai décidé de mettre 20 euros également dans la rentrée scolaire. Je reprends un petit peu toutes mes épargnes, doucement mais sûrement. Donc 20 euros dans santé, hein, c'est l'enveloppe santé qui a été sauvée. Voilà. Rentrée scolaire, shopping, pareil, 20 euros, on prépare doucement pour les soldes qui arrivent, si je me trompe pas, en juillet. Voilà, ensuite, j'ai décidé de mettre 20 euros dans maison, parce qu'on aimerait bien déménager avec monsieur, et ce serait pour payer un peu les, tout ce qui va être les frais de déménagement et tout ça. Voiture, 20 euros. Voilà. Vacances, 20 euros aussi. Bijoux, 20 euros. Et là, il y a un truc, ça va pas le faire. Alors, hop. Attendez, je vais faire plutôt comme ça. Voilà. J'ai décidé, donc, alors 20 euros, j'ai mis dans le bijou, normalement. Ouais, c'est bon. Et j'ai décidé de mettre 20 euros, 10 euros, pardon, dans projet bébé. Voilà. Et les 10 euros qui restent. Je vais les mettre là. Dans le change de l'arme. Parce que là, il faut que j'y pense à... Alors, l'attaquer celui-là.
Hop, sachant que le challenge que je fais, il va jusqu'à 50 euros, celui que j'ai décidé de faire dans le bouquin. Donc pour l'instant, hop là, 10 euros. Allez, juste pour le fun, je ne vais pas remplir les trackers, je vais juste m'amuser à cocher avec vous. Et je remplirai tranquillement. Alors. Donc, anniversaire, 20 euros. Donc, on va se faire deux petits gâteaux à 10. Hop. Nouvel an, j'ai rien mis. Rentrée scolaire, pareil, 20 euros. Voilà. Santé, on s'est mis 20 euros aussi. Shopping, j'ai mis 20 euros. Hop. On va se faire deux sacs cabas. Les parcs, on n'a rien mis. Faites maintenant. Maison, 20 euros. Ça nous fait un petit canapé. Vêtements, on n'a rien mis. Voiture, on a mis 20, mais toutes les voitures sont à 100, donc on ne va rien cocher. Voilà, juste que je pense à remplir mon tracker. Pareil ici, c'est à 50, on ne va rien cocher. Bijoux, oui, j'ai une petite à 10, mais j'ai mis 20. Est-ce que j'en ai autre à 10? Ouais, c'est bon. Hop, facture, peut-être que je m'y attelle aussi. Et enfin, projet bébé, où est-ce qu'il est? Il est là. Vous savez qu'une empreinte correspond à 10 euros. Donc voilà. Hop, je remplirai tout ça hors caméra, bien au propre, ne vous inquiétez pas. Parce que là, on n'est pas loin des 30 minutes, hein, ça fait beaucoup. Bref, bah écoutez, le bilan du mois se termine pour moi. Il est plus que positif, je suis très 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 contente. J'espère que le mois d'avril s'est très bien passé pour vous aussi. Et que si ce n'est pas le cas, bah, ne lâchez pas parce que c'est une méthode qui fonctionne. Il faut juste se donner le temps. Donc voilà, ne désespérez pas comme on dit. Et puis, ah oui, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. On avoisine les 800 abonnés. Je suis super, super contente. Ça fait super plaisir. Merci, merci, merci infiniment d'être là, de faire grandir la chaîne, de la faire vivre. Ça fait super plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout, pour les commentaires, pour les j'aime. Ça fait extrêmement plaisir et ça me motive à continuer, hein, clairement. Et voilà, donc j'espère que le contenu continuera à vous plaire et je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite pour le remplissage. Bye bye!